Bien, alors là maintenant, on va faire un, Richard Collina, on va faire un Hardy View. Et vous connaissez, vous aussi, puisque vous êtes là, Laetitia, vous savez qu'on ne, vous savez, ça nous, on ne bouge pas pendant le, on bouge pas pendant le jingle, vous savez. Ouais. Ce qui est formidable, c'est que Thierry Ardisson est capable d'expliquer on ne bouge pas pendant le jingle. Ça, c'est formidable. C'est énorme. Vous êtes prêts? J'ai pas bougé, je pense pas. Non, non, vous n'avez pas bougé. Non, vous avez regardé chez ça pendant tout le jingle. Vous ne risquez, risquez pas de bouger, je vais vous dire. J'ai regardé Laurent. Ah oui. Vous pensez à quoi, là, Richard? La question que vous allez me poser. Bien. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher? J'enlève mes lunettes. Parce que je regarde, je lis, je... puis j'enlève mes lunettes. Je m'écroule. Le matin, quand vous voyez dans la glace, vous... J'ai même mes lunettes. Sinon, je vois pas où je... C'est la première chose que je fais. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? En moi? Oui, en vous. Vous concernant, vous changeriez quoi si vous aviez une baguette magique? Non, je ne changerai rien. Je sais conduire comme ça. Ah ouais. Je sais me servir de moi comme ça. J'ai quand même un emploi, ça va. Quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? Les physiques que j'adorais? Ouais. Gary Cooper. Montgomery Clift. Ouais. C'est loupé. Je ne suis pas... Mauvaise pioche. Quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre? La phrase, je sais pas, c'est... je sais pas, enfin, le propos pessimiste, je ne... Voilà, j'ai pas une phrase en tête, mais c'est le propos pessimiste. Si on va pas y arriver, quoi. Oui, c'est ouais. Ça, c'est vrai. Je supporte pas l'entendre ça. Vous préférez draguer ou faire draguer? La notion de draguer, je ne connais pas et je ne la reconnais pas. Et comment vous faites? Alors, expliquez-moi, là. Non, c'est une question de rencontre, de personne. Ah ouais. Vous n'avez même pas besoin, vous êtes en train de dire... La notion de draguer, il y a la notion de, je sais pas quoi, de chasseur, de dragueur, de stratégie. Et depuis l'âge de... Vous préférez séduire sans rien faire? Si je dois séduire, tant mieux. Oui. Vous préférez larguer ou faire larguer? J'ai déjà été quitté. Quand on est très amoureux, c'est très dur. Non. Mais c'est toujours assez confortable d'être largué parce qu'on est un petit peu martyr et puis ça donne des forces et puis je sais pas. C'est toujours plus... Je préfère souffrir que de faire souffrir, en fait. Ouais, c'est bien. Vous avez pleuré quand pour une femme, pour la dernière fois? Je pense que j'ai pleuré pour une femme, mais il y a... En 83. 83? À quelle heure? Ça va! Non, mais il y a 17 ans, ça va. Et que... c'est une histoire d'amour qui s'est arrêtée. Ouais, bah oui. C'était il y a 17 ans. Bah, il y a 17 ans. Oui. Qu'est-ce que les femmes préfèrent chez vous? Je sais pas. Laetitia, vous préférez quoi? Les yeux. Les yeux. Vous aimez son regard comme ça un peu? On a envie de s'occuper de lui, non? J'adore, oui. Ah là là, eh. Ben voilà. 17 ans après. Et voilà. 17 ans après, mesdames, messieurs. C'est pas prémédité, hein, J'ai pris une fille au hasard, je suis tombé juste. J'ai vraiment la main verte, moi. Si vous restez 24 heures à vivre, vous feriez quoi? Je sais pas, je regarderais la mer. Ah ouais? Tout seul? Non, mais je sais pas, je vivrais, je sais pas, j'en sais rien. Et vous aimeriez mourir comment? Vite. Vous préféreriez être enterré ou incinéré? C'est sympa cette émission. Oui, c'est ça. C'est une émission du samedi soir, c'est gay. Ouais. Incinéré ou enterré? Enterré, je sais pas, je me suis pas posé la question. Vous voulez être réincarné en quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il avait dit en bidet pour voir des culs de femmes? Qu'est-ce qu'il avait dit? En bidet pour voir des culs de femmes. C'était pas... Ça devait être Dard, je crois que ça devait être Frédéric. Oui. Ou Francis Blanche. Ou Francis Blanche. Bien, on rallume. Bien, ben Laetitia, je vais accueillir une autre fille, mais vous revenez quand vous voulez. Hein. Vous êtes charmante. Vous avez un portable? Vous avez un numéro de portable? Oui, j'ai un portable, mais je ne donnerai pas, je crois, pas à la télé. Merci Laetitia, à bientôt. Il faut dire que la télé, c'est quand même un moyen super de se faire des copines. Hein. Bien.